Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Terminator Dark Fate Defiance. On reprend du coup après le petit échec de la dernière fois, donc la sauvegarde la plus récente que j'avais au final c'était juste avant qu'on amène le camion d'armes. Du coup, on va reprendre de là. J'ai vérifié un petit peu, cela dit, le terrain pour changer un peu éventuellement la stratégie. Et globalement, je pense que c'était une erreur de ma part de tenir cette zone. Je vais en mettre dans la map que j'ai à peu près pris tout à l'heure, enfin, le dernier épisode. J'avais essayé de tenir ça en me disant, il y a un bon espace dégagé, ça permet d'allumer tout ce qui passe. Au final, nos fusiliers sont vraiment pas bons pour ça. Et en plus, ça permet de libérer cette route pour qu'ils envoient des renforts sans cesse dans le dos de nos mecs qui sont censés avancer là. Donc je pense que cette fois, on va essayer d'être beaucoup plus agressif, à savoir, l'objectif, ça va être de prendre très rapidement cette zone-là et éventuellement ces bâtiments-là, et surtout de progresser jusqu'ici, puisque vu que c'est un truc totalement enclavé avec un mur tout autour, le seul vrai point d'entrée est là, à la nuance que on peut rentrer dans les wagons. Ils sont considérés comme des bâtiments, donc c'est possible, je pense, que des ennemis rentrent et sortent de l'autre côté. Donc on est de l'infanterie qui s'infiltre par ici et éventuellement par là. Donc notre objectif, ça va être, quand on aura nos troupes, de prendre cette zone, d'aller chercher assez rapidement, si possible, les renforts là, dès qu'on nous le proposera, et de progresser pour prendre ici. Alors la difficulté va être sur les véhicules, hein. Ici on a un char, ici on a un Humvee, on a d'autres Humvee qui se baladent. Donc on va essayer d'utiliser rapidement notre petit camion ATGM là. On va aller prendre ce bâtiment là qui est considéré comme un bâtiment solide pour couvrir cette entrée. Et on progressera avec les renforts d'ici je pense, enfin on verra comment ça se goupille. Pour essayer de prendre ces bâtiments, avancer jusqu'ici, éliminer éventuellement les véhicules et les mecs qui traînent. Et on va laisser tomber notre petit camion qu'au final ne nous apporte rien pour aller vers le haut. On ira à patte, à pied avec les ATGM sortis et enfin les RPG sortis et peut-être un ou deux snipers, on verra. Notre premier objectif bien sûr c'est d'aller poser notre camion là-bas le plus vite possible. C'est parti, on enlève la pause. Petit camion, il roule à pleine vitesse comme il peut, là. On arrive. No one has delivered them to me. I think I know who hacked those machines. And who our new enemy is. Let's move this thing! Alors, j'en profite hein, pour dire que il y a a priori, et ça jouera sur la rejouabilité, plein de manières différentes de gérer ça. On aurait pu faire beaucoup plus de missions ici, il y a un succès pour en faire 5, je crois. Si on peut, alors bien sûr, il faut y arriver sans perdre trop de troupes, mais si on peut, pour avoir suffisamment de thunes pour acheter le char. Il y a aussi un succès pour réussir à pénétrer et récupérer l'hélicoptère, pénétrer ici et récupérer l'hélicoptère sans combat. Donc je sais pas du tout comment on fait pour se pointer en mode pacifique, etc. Peut-être qu'il faut jouer le jeu et filer le pirate là pour récupérer le char. Il y a un succès bien sûr pour avoir le char. Donc il y a pas mal de chemins différents à prendre potentiellement. On peut peut-être même s'en tirer sans soulèvement, je ne sais pas. Pour le moment, on va... Alors je vais passer les discussions puisqu'on les a déjà vues. Hein. On doit prendre d'assaut le maire. On se fait un max de troupes. Donc déjà, tout le monde descend. Le camion, on va le laisser là. On n'en a pas besoin. Hop, les rifles, les fusils à plasma. C'est parti. Alors du coup... Donc Lucia, on va l'envoyer pas trop dans le danger ici. Là, on a nos troupes, on va les envoyer par là, s'emparer de l'armurerie. Où sont nos autres mecs? Ah, ça y est, ils descendent, ok, ils sont là. Excellent. Alors là, on a un bandidos. Du coup, ce qu'on pourrait faire, on va quand même placer notre sniper ici, où on s'en fout, pour qu'il nettoie un petit peu.
On va placer le sniper là. Lucia, du coup, tu viens là. Les squads de Mason, c'est parti. Les squads de Church, c'est parti. Et les squads de Flinch le Pirate, pour le moment, on va le garder là, mais on en verra peut-être conduire par ici ou choper des camions, on verra. Puisqu'il a les squads de conduite. Pour l'instant, on va charger. On va poser le sniper là pour qu'il commence à nettoyer un peu, mais on le déplacera assez rapidement, je pense. Voilà, il va s'occuper de tirer un peu sur ça. Je pense qu'il aura aucun mal à éliminer ça. Là, il y a le... Ça dépend si le tank décide de se pointer ou pas. Donc ici, les squads de Mason. Vas-y, viens là. Les squads de Church, assaut sur ce bâtiment. Vous deux, vous allez vous poser par là-bas. Alors là, c'est ceux qui ont le fusil d'assaut à plasma. Parfait, ici. Vous allez là, vous allez là. Cartouche à plasma, c'est contre les véhicules, hein, oui. Alors, en passant de ce côté, on se fait un petit peu allumer, par contre. J'aurais dû les faire passer par l'intérieur, mais bon, c'est pas hyper grave. Ça va le faire. Vous deux là, ouais, je vous envoie dans un bâtiment, c'est ça. Okay. Go. Vous, j'aimerais que vous vous occupiez de ça. Ici, au sol. On va éliminer la première ligne, prendre ce bâtiment. Parfait. Plus de combattants, le fourgon du mouvement. On va monter le lance-missile dessus. Excellent. Foncez dans ce bâtiment-là directement, vous. Les squads de lance-roquettes, elle est un peu trop à poil, là. On a une squad d'armes lourdes de plus dans les techniciens, c'est parfait. On a notre petit fourgon avec des pilotes dedans. Excellent, du coup on va le placer par là. Les squads de techniciens de renfort, on va l'envoyer par ici. On peut lancer une petite smoke. Pardon, c'est pas ça. Alors, on n'a pas une portée de fou, toi t'as pas de smoke. Donc en avant, ce bâtiment là on peut mettre que 6 personnes dedans, d'accord. Essayez de me nettoyer ça. Là on en est où avec les snipes? Ils ont fait le taf. Le bâtiment a un peu pris cher, on va les faire descendre. Donc ça c'est les squads anti véhicules lourds, on va la garder avec nous. On va prendre une escouade de lance-roquettes également. Et on va prendre nos escouades avancées, vous et vous. Venez par là. Vous, on a dit, vous prenez ce bâtiment. Vous, pareil, éliminez-moi ça. Là, le problème, c'est ça. Donc, le véhicule va s'en occuper. Vous au sol. Vous au sol. Vous, vous êtes en train de vous placer. Parfait. Ils ont des grenades. Excellent. On va lancer l'assaut également. Lucia, tu te regroupes derrière ici. On va voir un petit peu qu'est-ce qui reste. Parfait, allez vas-y allume-le. Excellent. Ça c'est très bon. Où sont nos mecs en fusil à plasma? Sortez de là et foncez dans le tas ici. Vous pareil au sol. On peut leur dire avancer jusqu'au contact. Vas-y, avancez. 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 C'est parti. Vous, pareil, vous pouvez vous coucher pour le moment. Là, on a dit, on va derrière. Flinch, pour le moment, il va rester là. Oula. Qu'est-ce que c'est qui nous tire dessus comme ça? Il y a le tank là qui est déjà en action. Ok.
Il va nous falloir toi du coup. Allez, essaye de tirer un peu mieux que ça si tu peux, ce serait cool. Ok, ils ont balancé de la smoke. Pareil, on va mettre eux en action là-dessus. Alors là, il reste quoi? Il reste des bandidos ici, donc on va lever, vous, levez-vous. Foncez dans ce bâtiment. Ici, on est en train de prendre ce bâtiment-là, c'est excellent. Là, on a une escouade d'armes lourdes. Où sont nos fusils d'assaut à plasma? Ils sont ici, excellent. On va les envoyer par là-bas. Alors là, on a du carburant et là, on a un camion vide qui n'a pas de tourelle, donc qui ne nous sert à rien pour le moment. Eux, on va les laisser se refaire un peu, vu qu'ils ont pris des dégâts. Allez, cette fois, shoot-le. Ah putain, t'es sérieux? Là, on a perdu un mec connement. Il a laissé tomber quoi? Un sourd en plus. Ah putain, on est incapable de le shooter quoi. Tout le monde par terre. Allumez-moi cet enfoiré. Là on avance. Foncez par là, vous. Foncez par là. Heureusement, il est aussi mauvais que nous à tirer. Et là, on a utilisé tous nos ATGM. On n'arrive pas à le shooter à cause de la fumée. Ah putain, sérieux quoi. La saloperie. La saloperie quoi. Ok, là on a les snipes. On va les envoyer dans ce bâtiment là. Ici, on a réussi à progresser pas mal, c'est plutôt cool. Les bâtiments sont pleins du coup, on va les envoyer par ici pour un peu de renfort. On va récupérer une unité de lance-roquettes. On lui a rien fait à lui, c'est ouf hein. Avancez un peu parce que là, c'est clairement la merde. Hein. Oh putain, saloperie. Au sol. Putain, on n'arrive pas à le toucher, la saloperie. Ok, il nous faut des gens pour aller chercher les prisonniers. Allons-y, on va prendre ça. Ce serait bien une petite milice supplémentaire. Parce qu'on en a une disponible. Ah putain, lui du coup, il s'est pris un jeton. Réparé. Qui c'est qui nous tire dessus du coup là? Il n'y a pas grand monde dans le coin pourtant. On a beaucoup des squads de lance-roquettes. On va récupérer du coup... Là, ils sont trop loin, les salauds. On est capable de tirer un peu dessus, là. Les snipes, une fois ici, ils auront peut-être la possibilité... Ah putain, puis il y a un Humvee. Ok, venez plutôt là. Demi-tour. En plus, c'est une mitrailleuse à plasma, ici. Trop loin pour nos RPG, bien sûr.
Ah non, c'est jouable. C'est jouable, c'est jouable. Bon là, est-ce qu'on arrive à le toucher? Ah, on commence à être un peu plus précis, ça y est. Le problème, c'est que lui aussi... Enfin! Ok, on a réussi à nettoyer ça. C'est pas trop tôt. Purée, quoi. Par contre, du coup, faut qu'on reste sur place. On a perdu une troupe ici, une troupe là, et on est à sec de munitions. Donc il nous faut plus de RPG, on va envoyer aussi eux. Ça fait chier, hein. On a pris beaucoup trop cher, je trouve. Ok, vous, vous venez là. Escouade d'armes lourdes, très bien, il nous faudrait du coup vous. Là, on peut se stacker un peu plus, on peut pas se stacker beaucoup plus, là. On va aller les mettre là, eux, tant qu'à faire, parce que c'est pareil, normalement, il y a un tank quelque part, là. On verra s'ils décident de bouger. On a perdu un sniper, c'est pas cool. Excellent, on a réussi à le shooter. J'avoue que là, on est peut-être un peu trop exposé. Militia ici, et ça c'est quoi? Des pillards au lance-roquettes. Ok. Ça va pas être cool ça. Bon, lui il est à sec malheureusement. Allez, go dans ce bâtiment. On va essayer d'avancer à couvert cette fois. Vous. Go dans ce bâtiment. Ici ça donne quoi? On est un peu sous pression. En vrai, il faudrait que les snipers soient derrière et eux devant. Mais je suis pas sûr qu'on va pouvoir les mettre. 9 sur 12, on enlève. Si, ça devrait passer. Si on pouvait mettre 4 RPG là, on serait vraiment bien. Et le problème, c'est que eux, ouais, s'ils ont... Ils ont relativement un angle, ils couvrent ce côté-là. Ah, ici, c'est cassé. Ah, ils peuvent péter les murs. Ok, d'accord. Donc, en fait, mon plan n'est pas forcément idéal. On va devoir avancer là. Et on les laisse se soigner un peu. Ok, là on est capable de les shooter, c'est bien. Rentrez dans ce bâtiment s'il vous plaît. Ici. On commence à prendre un petit peu de tir. Allez, au sol. Allumez-moi ça. Ici, c'est en flamme. On s'est fait tirer dessus par quelque chose. Je sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui nous a défoncé. Toc. Bah, mettez-vous au sol et attendez là. On verra plus tard. Et on attend qu'il se soigne un peu. Et là, ils ont essayé de charger, ce qui était probablement pas une bonne idée pour eux. Même si du coup, on prend un peu de dégâts. Là, on a un fusil de précision laser. Oui, c'est notre sniper qui est décédé, malheureusement. Allez, snipe-le. Ça fait le taf, ça fait le taf. Vous venez là, vous progressez là. Ah putain, on passe juste à côté d'eux du coup. C'est très con ça. Tiens, un binge, la petite grenade, ça fait toujours plaisir. Là, c'est toujours en flamme. Chier, ici, on est à peu près retapé.
Ok, les squads de charge. Alors cette fois on reste de ce côté-là de la route. Hein. On va avancer de bâtiment en bâtiment si on peut. Par ici on a tellement plus de munitions quoi, ça fait chier. Vous du coup, vous venez aussi. Ma chère, tu restes derrière. T'as une EMP, on verra s'il y a un truc utile d'utiliser, mais normalement ça devrait pas être le cas. Ok. Je vais aller choper ça, on va avoir besoin de munitions. Ok, là on reprend ça vite fait. Par contre du coup on pourra pas tirer, mais on va pouvoir réparer au moins et essayer de se sortir de l'angle là. Il a dû se prendre une rafale je pense de ce bâtiment là, de ce véhicule là. Alors toi t'es tout seul donc tu pourras pas tirer non plus. Il y a trop de monde là, faudrait qu'on arrive à éliminer ces gens. On n'en a pas un bon angle malheureusement. Et là on est pareil, on n'a pas la portée. Bon, on va devoir tenir jusqu'à ce que les renforts soient prêts. Ici on couvre un peu, on va avancer. On va vous filer des munitions, vous inquiétez pas. Venez tous par ici, vous serez chargés du second assaut. Voilà, tu retapes ton petit véhicule, excellent. Ici, on en est où? On avance. On reste pas trop derrière, les gars. S'il vous plaît. Ah, ici, ils sont retranchés dans le bar, là. Ah, là, on souffre, malheureusement. Enfin, on va reculer, je pense. Fait chier, mais on va reculer. Couvert un peu par le wagon, là, pour les forcer à avancer. Pas de soucis, pas de soucis. On s'en occupe, on s'en occupe. Ici. Déploie. Toi tu viens là, toi tu viens là, toi tu viens là. Vous, vous sortez, vous venez là. Ouais, parce qu'ici on va avoir besoin de munitions là. On s'installe. Commencez à m'allumer ça, s'il vous plaît. Toi, t'as du C4. Ça va être moyennement utile dans le contexte. Ok, ici, on les a forcés à avancer. C'est pas mal. Ici, on en est où? On n'est pas trop mal, en vrai. Progresser un peu. L'avantage c'est que là on empêche vraiment ce qui est derrière de venir nous tomber dessus. Bon même s'ils peuvent toujours tenter de passer des trucs, c'est que de l'infanterie. Là on a dû reculer un peu mais on va le regagner hein, ce terrain. Je suis pas inquiet. Ici on est chargé à bloc. Donc vous, je vous ai demandé d'aller shooter ça. Vous allez me shooter ça et derrière on a quoi? Des snipes. Hein. Les snipes ils seraient pas mal dans ce bâtiment en vrai. Vous par là. Et vous, pour l'instant, venez vous mettre là. On va repaquer ça. C'est parti. Fonce par là. Toi, fonce par là. Allez. Excellent. C'est quoi ça? Un transport blindé. Il est loin. Il est très loin. On devrait éventuellement essayer de prendre cette place, cet emplacement-là, mais pour l'instant, on se fait surtout bien allumer. Donc c'est peut-être un petit peu risqué de les envoyer là tout de suite pour le moment. Vous, allez, là, allez par là-bas. Les snipes, ils sont en train de se placer. Là, on se fait allumer. Alors qu'on sorte et qu'on allume un, hein, parce que là...
parce que là on se fait beaucoup trop défoncer à distance malheureusement. On manque un petit peu de véhicules de soutien, si on pouvait récupérer ce truc là, ça ferait sacrément plaisir. Là ils sont encore deux. Sortez s'il faut, hein. Oh, vous sortez s'il faut, mais vous me les défoncez. Allez, go. Alors, ici, on commence à voir du monde. Comment ça se passe? Elle est toute seule ici. Excellent. On a détruit un véhicule, là, visiblement. C'est parfait. On a plein de monde dans ce... à cet endroit-là. Là, on a foutu le feu au véhicule. Parfait. Ici, on perd du monde. Logique, hein. Il y a tellement de gens. Ici, ils sont plus que un. Ok, là, c'est géré. Il va falloir qu'on aille jusqu'ici avec eux. On va avancer, du coup. Nos RPG, ils sont là. Ah, putain, il y a du monde, là. Quoi, ça? De la militia. Ok, donc on va pas forcément faire le taf, là, du coup. Si on pouvait se prendre ce bâtiment... En vrai, il faudrait qu'on aille là, parce qu'il faut éliminer cela. Donc on va aller là. On va aller prendre un sandwich, eux. Maintenant, on peut re-rentrer dans ce bâtiment, maintenant qu'ils sont avancés. Deux snipers, on peut le foutre en frontal là. Ouais, viens par là, on va voir de quoi faire avec ton... Et vous, vous démerdez, vous venez me mettre un tir là-dessus. Ah, ils ont repris le véhicule, les fumiers. Il nous reste un RPG fonctionnel là. Vas-y, allume-le. Parce que quand il va commencer à tirer, excellent. Voilà, bon, on l'aura pas récupéré du coup, mais au moins, c'est géré. Ici du coup, il reste le véhicule en feu et un mec derrière. Go. En avant, toi, et en avant. Toi, fonce par là. Vous du coup, vous avez des pompes. C'est parti. Allez-y aussi. Hop. Et vous, vous avancez par là. Ça, on va la foutre dans ce bâtiment-là. Ok, ici du coup. Ça tire depuis le bar. Ils sont en train d'essayer de s'infiltrer par là. Là, cette fois, on est bien placé pour les allumer. Là, on a perdu quelques troupes, malheureusement, mais on avance. Ici, du coup, on en est où? Il y a un MV qui est en train de passer, là. On n'arrive toujours pas à choper un angle. Notre taux, il est peut-être retapé. Ouais, mais on n'a personne pour tirer. Vous, sortez. Vous, sortez. On va inverser de place. Vous prenez celui-là. Toi, tu viens là. Tu prends celui-là. Allez, vas-y, déploie. Ici... immobilisé parce qu'on n'a pas de conducteur et ne peut pas tirer, mais ça va changer. Ouais, parce que là on a besoin de renfort lourd, on a besoin de véhicules capables d'allumer ça là. Et ici c'est ouf, hein, à quel point les mecs ils sont en mode énervé, quoi. C'est quoi, c'est de la militia de base pourtant, hein. On n'a rien oublié derrière, c'est bon. Ici du coup, on en est où? On a défoncé ces cons. Ok, parfait. En avant. En avant, prenez l'angle. Pareil pour toi. Pareil pour toi. Vous deux, avancez jusqu'ici. Ça, c'est un... Il a un canon sans recul, cet enfoiré. Hein.
Si on pouvait choper ça là, on pourra sortir et aller piquer quelques fesses, mais eux là, ils sont toujours en mode bien vénère. En plus on se fait choper par le flanc ici, on n'a pas d'autres troupes. Hein. Si, il y a lui derrière là qui peut conduire des trucs. Ok, t'es rechargé toi. Je le veux ici. Vite. Parce que là, on se fait défoncer notre bâtiment petit à petit. Ah putain, on n'a pas réussi à lancer un RPG. Ah si, on a réussi à le foutre le feu. Parfait. Allez, le nouveau. Ici, on va peut-être se prendre quelques tirs, mais rien de fou. Vous, sortez. Pareil, sortez. Sortez ici. Allumez-moi ces cons, là. Il faut me finir cette foutue, ce foutu truc là. Allez. Voilà, ça c'est fait déjà, un de moins. Ça devrait les calmer un peu. Sur ce flanc, il y a un véhicule qui arrive. Transport blindé, il est à portée des RPG, ça devrait se faire ici au sol. Vous pouvez prendre ça, hein. Chopez-moi ça. Quoi ça? Lance-roquette RPG. On pourrait recharger un peu aussi en prenant un RPG. Alors là, allez-y, réparer. On a quoi ici? On a une mitrailleuse lourde standard. Ok, c'est déjà ça. Ça aidera. Ok, ici ça y est, on est enfin débarrassé de ces cons. Vous allez avancer jusqu'ici. Non, vous allez avancer jusque là. Vous allez prendre la suite ici. Les RPG ici. Ah, la TGM qui fait le taf. Merci, quoi. Ce serait bien aussi de mettre genre des snipers là, si on peut. Ah, putain. Il y a un Bradley qui s'est pointé, là. Ouf, ça va piquer. À terre, si vous... Ok, il y a de la fumée, je pense qu'on ne le touchera jamais du coup. Ouais. Top. Retourne faire le plein. Ou laisse-le activer, mais retourne faire le plein. On va devoir faire avec pour le moment. Même si ça fait chier. Lui, s'il arrive à passer, tant mieux. Ok. T'as un angle pas dégueu, toi. Si tu peux réussir à caler un petit tir, ça sera toujours ça de prix. Vous prenez ce bâtiment-là. On va essayer de couvrir sur ce flanc. Eux, ils sont quasiment, carrément suffisamment approchés pour qu'on les chope à la grenade. Très bien. Alors, sur ce flanc, c'est nettoyé. Vous, ce serait bien que vous vous posiez un petit peu pour vous soigner. On va venir couvrir avec le MV parce qu'il y a du monde qui arrive, là. D'ailleurs, il va falloir qu'on mette du monde. Alors, vous restez là. Parce qu'eux, ils vont pas se reposer, du coup. Ils sont exposés sous les tirs. Toi, avance un peu. Là, on va aller nettoyer. Enfin, nettoyer. On a un beau MV bien blindé. Allez, c'est parti. Oups. Ah oui, il faut que tu aies un bon angle. La poste par là. Ok, donc ici, le Bradley, pour le moment, il est en mode énervé. Là, on retape, on a refait le plein. Il y a toujours de la fumée, par contre, on pourrait arriver par où? Ici, c'est tendu, il y a beaucoup de monde. Ici, pareil, c'est un petit peu chaud. Si on pouvait, par contre, avancer à couvert notre RPG jusqu'ici, il y aurait moyen de faire quelque chose. On va revenir, hein. Il y a moyen qu'au bout d'un moment on finisse par avoir un tir. Enfin, ici notre bâtiment, là, il est en train de se faire défoncer par contre. Oh,
Vas-y, est-ce que t'arrives à trouver un angle de tir là maintenant que t'es dans ce petit bâtiment là? Ouais, les ATGM qui volent quoi. N'empêche, il lâche rien les mecs, hein. Putain. Il nous reste combien de temps? 5 minutes ici? Ok, on a éliminé tout ça. On va pas rester 100 ans à se soigner. Go. Oui, il vous reste des munitions. Oui, vous aussi. Toi, tu peux conduire ça. Bon, tu pourras pas tirer. Je sais pas si c'est vraiment pertinent. On va charger avec le MV. Vous, c'est pareil. Go. Vous avez déjà refait un peu votre vie. Vérifier qu'il n'y a rien dans ce bâtiment là. On a perdu quelqu'un ici. Bon, ici ça va. On aura bien fait mal ici également. Notre bâtiment est solide, donc on est plutôt bien. Ah là ça y est, il n'y a plus de fumée. Il y a peut-être moyen de réussir à lui piquer un peu la tronche. Un missile qui rate. Ok, on touche. On retouche. Excellent. Ici par contre, notre bâtiment, on est toujours en moyen, mais ça devient chaud. Hein. Vous, foncez donc par là. Les snipes qui font le taf. Notre snipe ici, on va le monter là-dedans, il sera mieux. Ça passe, ça passe. C'est la baston toujours là. Allez, on avance. On va poser la lui pour qu'il commence à défoncer un peu. Ok, parfait. Allez, vas-y, allume. Ah bah on a nettoyé tout le monde, ok, excellent. Allez, il reste quelques personnes. Le maire est mort. Attrapons cet hélicoptère. Fonce, ma chère, fonce. Parce que là, on commence à avoir besoin d'un peu de soutien. Très clairement. On est capable de le choper au fusil à pompe. Au moins, ça les force à se mettre au sol. Là, en termes de portée... On a une bonne portée avec eux, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de fenêtre pour tirer en fait. C'est un peu ça le problème. Ils peuvent pas vraiment bien se placer pour tirer. On va essayer de les faire venir là. Là le Bradley, techniquement, il est abandonné, mais il est pas HS encore. On va retourner vite fait faire le plein pendant que c'est un peu calme. On va surveiller là s'il y a un carré rouge qui apparaît de nouveau. Ah, excellent, elle escalade. Bon, là on se soigne. Et on va pouvoir mettre dans ce MV. Vous, ouais, vous éventuellement. Allez-y, montez là-dedans. On va vous ramener en vitesse là où il y a de la baston. You do that. We'll stay here and help him fight the cartel. You sure you're a founder? Because right now, you sound hell of a lot more like your movement. I can't let the cartel kill these people. Sergeant Mason, you go with her. Bring our main force back here. Not a chance. You stay, I stay. Okay, I'm out of here. Just make sure you're both still alive when I get back with the reinforcements. We'll do our best. Okay, très bien. Luis, this is Lieutenant Church of T-Force. I'm here to help you get this rebellion done. Ok, nouvel objectif. Luis doit survivre, il faut que Lucia quitte Nueva Tortuga. On dirige son truc. Non, il est neutre, donc a priori non. Ok, bon, du coup, par contre, on va arrêter l'épisode là. Il est suffisamment long. On a réussi à passer cette petite phase maintenant, et visiblement, il va falloir tenir... Ce qui va demander du taf, hein. Clairement.
J'espère que ça vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.